AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Pro Performance, Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde. AMS Nautique, ça vous dit quelque chose? Je crois que oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et on va tenter encore une fois de satisfaire votre appétit en ce qui a trait à la plaisance et les plaisirs nautiques. Restez avec nous. Cette semaine à AMS Nautique, Martin Raté de chez Pro Performance nous présente le ponton Monaco Entertainment de la compagnie Godfrey. Comment bien sécuriser notre embarcation contre le vol avec Steve Lépine de chez Attache Remorque. Michael Champagne de chez Pomerleau les Bateaux nous sensibilise aux bonnes pratiques pour faire de la navigation aux baleines et on fait l'essai du Régal 28 Express avec Jimmy Gagné d'Adrénaline Sport. Bonjour tout le monde, au lac Saint-Joseph, en compagnie de Martin de chez Pro Performance. Bonjour Martin. Bonjour Marcel. Ça va bien? Très bien. Martin, journée magnifique et une embarcation exceptionnelle. Absolument. Configuration spéciale de Godfrey. Donc, c'est une finition vraiment de luxe. Haut de gamme. On peut-tu dire que c'est une embarcation haut de gamme? C'est un haut de gamme qui reste à des prix extrêmement abordables de Godfrey. Ils sont très agressifs dans le marché avec tout le système lounge, bar et chaises pour pouvoir manger, pouvoir déguster ce qu'on a à faire, avec un kit de barbecue qui s'installe à l'arrière. Donc, on remarque aussi les positions de confort qu'on a dans les banquettes, les services utilités partout pour que ça soit convivial, pratique. Ça se déplace aussi, hein? Absolument. C'est ça? Tout se déplace ce que j'ai dans là, le bateau. On peut prendre ça, puis on déplace ça, on les place. On a aussi des meubles qui se déplacent pour la configuration porte-avant, porte-arrière. C'est quelle longueur, ça, Martin? Ça, c'est un 24 pieds. C'est un 24 pieds. La motorisation de ça, c'est quoi? On a un 150 présentement, Mercury. On peut mettre aussi dans nos gros propulseurs Suzuki 200, Mercury 200. Ça peut aller à 225 aussi. En termes d'options, là, ça arrive équipé comme ça? Absolument. Avec la toile, le soleil? La toile Bimini, qu'on appelle, Bimini, oui. Vient standard. On a pris soin de les commander avec une grande toile pour permettre un repos du soleil au chauffeur. Et ça vient avec les équipements de rangement, les équipements de sécurité obligatoires par la loi. On équipe tous nos pontons de façon à être légal pour les lacs. C'est trois caissons? Trois caissons, pleine longueur. Pleine longueur. Est-ce que ces caissons-là ont des ailes, des ailerons qui vont leur permettre de déjauger? Absolument. Donc, dans ces types d'embarcations-là, on peut être jusqu'à 14 personnes, 15 même, pour être précis. Donc, l'importance pour l'économie d'essence et pour la stabilité de la machine, c'est d'avoir les doubles parois intérieures qui font que, en cas d'accélération, on déjauge rapidement. OK. Si on regarde les surfaces qui recouvrent le sol, c'est comme un revêtement synthétique, mais c'est antidérapant. C'est non seulement antidérapant, mais les conceptions du passé sont réellement révolues. C'est un plancher qui respire. OK. C'est un plancher qui ne brûle pas les pieds dans les cas de grosse chaleur comme aujourd'hui. C'est un plancher aussi qui sèche rapidement. Donc, vous remarquerez que toutes les structures de Godfrey et de Sylvan aussi sont surélevées. On a un petit jeu tout le tour de la structure pour que l'eau sorte. Okay. Avant, c'était des bassins. Oui, tout à fait. Et ça permet au sol de sécher rapidement
et de ne pas être en état de moisissure au fil du temps. Les matériaux de construction qui sont utilisés là-dessus, c'est de l'aluminium? Aluminium, beaucoup de fibres de verre et des matériaux de structure qui résistent à l'eau d'une façon énorme. Y a-tu, pour un type d'embarcation comme ça, parce que je regarde, c'est bien fini, les couleurs sont belles, il est capitonné à beaucoup d'endroits. C'est vraiment très chic comme ponton. Quand il vient le temps de serrer ça, c'est-tu compliqué ou c'est-tu pas plus compliqué qu'un autre type de ponton? L'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas d'osmose, il n'y a pas de fibres. Alors donc, quand on vient à l'époque, à la fin de la saison, tout ce qu'on fait, nous, c'est l'hivernation du moteur. Si on a un lavabo, on hiverne le réservoir d'eau et on met une toile dessus et c'est terminé. C'est terminé. Pour la route, c'est pas largeur excessive non plus? Absolument pas. Les remorques sont tellement bien faites aujourd'hui. Ça se sort et ça embarque sur les remorques d'une façon extrêmement simple. On a-tu une idée du poids avec le moteur et tout? Grosso modo, on joue entre 2500 et 4500 livres, dépendamment du modèle puis du gros propulseur. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un gros camion pour... Absolument pas. L'avantage d'un ponton, c'est qu'il y a des tubes, un plancher, des meubles et un moteur. Donc, c'est léger pour la grosseur que ça a et ça porte énormément bien dans une mer agitée ou un lac. C'est pas obligé de hauteur non plus pour dégager. Ça, absolument pas. On parle de, grosso modo, un pied et demi maximum de déjaugeage à cause de l'ajustement du hors-bord. Donc, on peut aller dans très peu d'eau. Si on parlait de financement de ces pontons-là, c'est évalué à combien un ponton comme celui-là? Un ponton, ça joue entre 85 et 90 000, grosso modo. Quand même, c'est pas donné. Alors, financer ça, c'est pas évident non plus. Là. Non, effectivement. Alors donc, ce que la majorité des gens font pour se permettre ce bien-là, c'est qu'on va sur une hypothèque maritime, c'est-à-dire un prêt maritime qui va durer sur une échelle de 20 ans. Et heureusement, aujourd'hui, ça dure aussi 20 ans. J'entendais parler des hypothèques maritimes sur des gros bateaux, des choses comme ça, mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça maintenant sur un ponton. Absolument. Et l'avantage de ça, c'est qu'on négocie des taux qui sont quand même très raisonnables encore. Et surtout, on parle à partir de 40 quelques dollars par semaine d'une acquisition d'un ponton pour toute la famille accessible. Hey, 40 quelques dollars par semaine, oui, quand même. Oui, on a ça à partir de ce prix-là. C'est accessible à tout le monde. Alors, comme vous êtes en mesure de le constater, ça ne prend pas nécessairement un budget épouvantable pour réussir à être sur l'eau et à bien vivre. Et tant qu'à être sur l'eau, autant y être avec un équipement de qualité. Bien, écoute... C'est gagnant. Si tu prends une hypothèque, ça dure. Et puis pas juste ça. La qualité de la fabrication fait que dans le temps, au bout de 10 ans, c'est pas comme avant. Ça reste encore beau. Et on fait un petit entretien d'écurette à l'occasion en prenant du soleil et ça reste beau longtemps. Alors, si comme moi, vous avez appris des choses sur les pontons, on n'a pas fini nos surprises avec Martin. C'est un connaisseur. Ils ont des produits quand même incroyables, exceptionnels en qualité et accessibles maintenant avec le financement pour tout le monde. Absolument. Plaisir. Merci, Martin. C'est moi qui te remercie. Cette chronique vous a été présentée par Pro Performance Saint-Raymond et Bois-Châtel pour offrir le meilleur service. Après la pause, le conseil de la semaine de Michaël Champagne de chez Pomerleau les Bateaux. On est de retour avec Steve Lépine d'Attache Remorque Québec 2.0. Bonjour Steve. Allô Marcel. Ça va bien? Très bien, merci. Hey, je suis dans le paradis de la remorque. Exactement. Hein? Je pense que si on a une remorque de bateau, une remorque de motoneige, on vient ici et on peut avoir tout ce qu'il faut pour ça. On offre le service complet par rapport à l'entretien des remorques, les accessoires. Ici, on a tous les modèles de cadenas parce que maintenant, les compagnies d'assurance, Marcel, exigent que la remorque soit bien barrée. Je vois que t'as, dans les différents types de cadenas que tu as même un sabot de Denver. Oui, sabot de Denver qui s'installe sur la roue. Et aussi, c'est important de mettre un cadenas sur la boule en avant ici, Marcel. Ça, c'est pour sur éviter la main, les gens de piner la remorque. OK. Alors, ça veut dire que quand tu n'es pas là, tu mets ça dessus, puis il n'y a pas personne qui peut arriver à prendre ça, à moins qu'il défasse la main vraiment. Là. Exactement. Puis là, c'est pour ça que c'est bien d'avoir deux barrures, c'est qu'on vient barrer la main, ils ne peuvent pas la piner.
et on vient barrer la roue. Fait que ça, c'est doublement mieux sécurisé. Ça, c'est ces types de canons. Ça ici, ça empêche de relever. Oui, c'est une barrure, en fait, pour le vol aussi, mais également une barrure de sécurité pour empêcher la remorque de dépiner. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un type de canot comme ça, c'est que ça va barrer la remorque pinée au véhicule. Fait que quand on arrive à Marina, on met le bateau à l'eau, on stationne ça dans le parking. Si on n'a pas barré la remorque pinée au véhicule, bien, il pourrait toujours la dépiner puis partir avec. Dis-moi, c'est en même temps, j'en vois un autre, là, ici. Ça, c'est pour barrer la main de l'attache-remorque, la boule, autrement dit. OK, OK. Encore là, sur l'auto, sur le véhicule. Fait que de même, t'es certain qu'ils ne peuvent pas rien détacher, ça reste là. Exactement. Il y a moyen d'avoir tout ça sur la même clé, Marcel, aussi. Ah oui? Oui. Fait que ça, c'est une clé pour 3 cadenas, 4 cadenas. Même les gens, souvent, ils ont des compagnies de construction. Bon, les entrepreneurs ont déjà le cadenas. Ben, on peut commander des cadenas avec leur clé à eux pour leur remorque à bateau. Fait qu'ils ont la même clé partout. Expérience vécue, ma remorque, j'ai déjà mis mes tiges, j'y mettais, puis j'étais sur la route. Je pense que c'est mieux d'attendre d'être arrêté, de la mettre quand tu bouges pas. Très bon point. Pour pas que ça se salisse. Sur la route, évidemment, c'est pas là qu'on va se faire voler, mais quand on arrête, c'est sûr que ça les évite d'être en contact avec les intempéries, finalement. C'est ça. Avec le sel, ces choses-là, à ce moment-là, il n'endommage rien. Quoique, je regarde, celle-là est très bien faite, là. Un couvert de caoutchouc qui tout empêche... Tout en stainless. Le tout sel en de stainless, rentrer, puis c'est du stainless. Oui, avec le couvert de caoutchouc, c'est tout étanche. Puis ce qui est important aussi de parler, c'est que les cadenas, il faut que ça soit toujours bien lubrifié. Le produit idéal pour bien lubrifier son cadenas, c'est ProLab PL100. On en met régulièrement dans le mécanisme du cadenas, ça évite bien des problèmes. Ensuite, ça, c'est quand la remorque épinée sur ton véhicule. Oui, celui-là ici, pour quand il est épiné. Celui-là ici, c'est pour dans la cour quand il n'est pas épiné, pour pas qu'il puisse l'accrocher. Et celui-là? Et sur la roue. Et sur la roue. Ça veut dire que tu en as deux, là. Tu en mets deux. Trois. Comme tu veux. Absolument. En fait, l'idée, c'est de rendre la tâche plus difficile pour ceux qui seraient intéressés de partir avec ta remorque. C'est de les retarder au maximum. Puis ça, ici, c'en est un autre modèle? Oui, un autre genre de sabot de Denver. Fait que celui-là, il vient juste se prendre autour de la roue. Celui-là, même chose autour de la roue, mais en plus, il vient cacher les notes de roue. C'est qu'avec un modèle comme ça, quelqu'un pourrait arriver dévisser la roue, il en mettre une autre. Mais comme on disait tantôt, l'important, c'est de les retarder. Ça les retarde. Bien, ça les retarde encore plus. Ça nous donne plus de difficultés. Effectivement, ça, à ce moment-là, qu'il t'arrive un vol n'importe quoi à la compagnie d'assurance, va dire, écoutez, vous avez tout fait pour pas que ça arrive. Les devoirs ont été faits. Là, vraiment, tout le monde a fait son travail. Sinon, on pourrait vous dire, écoutez, vous aviez qu'à barrer. Bien, c'est pas compliqué. C'est que si les assureurs découvrent que la remorque n'était pas barrée, ils paieront pas. Alors, j'espère que ça vous donnait un peu d'informations sur les types d'attitudes, comportements qu'on doit avoir quand on est propriétaire d'une remorque. Merci, Steve. Ça fait plaisir, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec, les plus belles boules en ville. Vous êtes acheté une merveilleuse embarcation telle le Parker qui est derrière moi chez Pomerlo Les Bateaux. Puis vous chérissez le rêve d'aller voir les baleines ou les baleines, dépendamment où vous l'avez acheté. En fait, on va vous permettre aujourd'hui d'adopter les bonnes conduites pour aller voir ces beaux mammifères-là dans leur état naturel. Donc, sachez, là, au Québec, on est vraiment gâtés. On a une belle faune aquatique dans le Saint-Laurent. Il y a des gens qui viennent de partout sur la planète pour faire des excursions payées, donc d'aller voir les baleines, les phoques, les belugas. On a en ligne des formations qui peuvent vous aider à adopter les bonnes conduites. Et c'est ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. Il y a un site web qui existe qui est plaisancier.navigationbaleine.ca. Ce site web-là va vous aider, avec une petite formation, à avoir les bonnes conduites à adopter lorsqu'on est en eau naturelle, on va dire ça comme ça, proche de ces mammifères-là. Donc, peu importe que vous ayez un beau Parker gros comme celui-là ou un plus petit pneumatique ou un robe à l'eau, sachez que quand vous êtes dans leur habitat naturel, vous êtes l'étranger. Donc, il faut vraiment adopter une bonne conduite. Ce que ça veut dire, une bonne conduite, c'est que ces animaux-là sont sauvages. Rappelez-vous toujours de ça. Il faut vraiment garder nos distances. Donc, c'est vraiment l'élément clé dans toute la bonne conduite. Ces animaux-là, eux, sont imprévisibles. Donc, si vous approchez trop, ça peut être dangereux pour vous et pour eux. Donc, il faut garder une distance minimum de 100 mètres. 100 mètres, ça peut paraître loin. Donc, dotez-vous de bons outils, des bonnes jumelles, ce qu'il faut pour pouvoir observer le mammifère à distance. Et puis, les belugas, qui, eux, sont des mammifères en voie de disparition dans l'estuaire du Saint-Laurent, eux, on suggère de garder un 400 mètres de distance. Donc, c'est vraiment important. Parce que 400 mètres, c'est quand même loin. Et puis, les gens, des fois, vont être portés à vouloir s'approcher beaucoup, beaucoup, parce qu'ils veulent voir, parce que c'est donc bien beau, c'est impressionnant. Mais respectez
l'environnement, respecter la nature, c'est vraiment important. En résumé, en fait, allez vous chercher les bonnes informations. Le site web que je vous ai parlé tout à l'heure, plaisancier.navigationbaleine.ca, c'est vraiment un bel outil pour vraiment aller chercher les bonnes méthodes à adopter lors d'observations. Ensuite de ça, rappelez-vous, ce sont des animaux imprévisibles. Donc, s'il vous plaît, gardez vos distances parce que vous pouvez vous blesser et les blesser. Parlant d'animaux blessés, c'est important. Lorsque vous êtes sur l'eau, vous êtes un peu une vigie. Donc, vous avez la responsabilité de, si vous identifiez un animal qui est blessé, une blessure apparente, le mieux possible, identifier vos positions GPS, contacter la garde côtière pour, et un peu la direction vers laquelle l'animal s'en va pour pouvoir peut-être l'aider ou secourir ce pauvre animal-là. Ensuite de ça, bien, gardez vos distances. Rappelez-vous, 100 mètres minimum, 400 mètres pour certaines espèces. Donc, vraiment, là, prenez le temps. Puis, tu sais, des belles photos, c'est sûr que ça vaut tout l'or du monde. Par contre, ça ne vaut pas votre vie. Donc, prenez le temps. Allez avoir du plaisir avec votre embarcation. Amusez-vous. Puis, chez Pomerleau les bateaux, bien, on a toutes les belles embarcations qui vont vous permettre de faire ces observations-là. Je vous dis à bientôt. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Au retour de la pause, nous effectuons l'essai du 28 Express de la compagnie Régal. Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Jimmy de chez Adrénaline Sport. Bonjour Jimmy. Bonjour Marcel. Ça va bien? Très bien, toi. Numéro 1, on se situe présentement à la Marina de Sillery, un endroit magnifique pour les gens qui pratiquent la plaisance. Jimmy, on va parler de quel type d'embarcation aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le 28 Express de la compagnie Régal. Bon, mais moi j'ai besoin de précision parce que 28 Express, ça parle de longueur, la compagnie Régal, ça parle de marque. Explique-moi un peu le genre d'embarcation. Oui, avec Régal, on a deux types de cruiseurs. OK. Transportable à 8,6 pieds de large, mais le 28, effectivement, Marcel, c'est 28 pieds de longueur, 28 pieds 10 pouces. Quand tu dis transportable, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'escorte pour aller sur la route avec ça. C'est exactement ça, Marcel. C'est une embarcation qu'on peut mettre sur un trailer puis se promener partout à travers la province. Okay. Puis ça fait notre deuxième résidence en plein été, pour aller sur n'importe quel lac. Parce qu'à l'intérieur de ça, vous allez voir tantôt, on retrouve toutes les commodités comme on retrouve dans une maison. Il y a un avantage à se transporter comme ça sur une remorque, hein? C'est que ça prend moins de temps de partir d'une distance d'aller à l'autre que si tu le faisais par l'eau. Exemple, tu pars sur le fleuve, tu veux monter sur le lac Champlain, c'est pas mal plus long que si tu le mets sur une remorque puis tu te rends là-bas. Tu le mets à l'eau une fois là-bas. Et c'est l'avantage de l'embarcation que je vais vous présenter aujourd'hui, la mobilité de cette embarcation-là, de pouvoir se rendre à Montréal ou débarquer au lac Saint-Jean, puis d'aller profiter d'un week-end avec la famille, tanguer dans une marina ou au large, partout à travers la province. Combien on peut mettre de personnes à bord? Vivre à bord, c'est une chose, mais mettons, pour la balade, on peut embarquer combien là-dedans? On peut embarquer 8 personnes, puis on peut vivre 4 personnes à l'intérieur aisément. À l'aise, vraiment. On peut manger à bord de cette embarcation-là? On peut manger, on a des lavabos, on a un petit four, on a un barbecue, on a toutes les commodités qui nous permettent de vivre sur un plan d'eau puis de profiter de notre été avec la famille. Fait qu'on dépasse le type d'embarcation qui est pour la balade journalière, là. On parle d'une embarcation vraiment pour la croisière. Bien, t'apportes un bon point, Marcel. On peut profiter de la balade journalière, des amis, mais de rester à l'eau avec la famille puis de passer des nuits sur un plan d'eau avec une embarcation qui, en plus, c'est une embarcation que ça fait plus de 10 ans qu'il existe chez Régal. Ce moule-là, depuis 2012 qui existe, c'est un des produits les plus vendus dans le cruiser chez Régal. Mais moi, ce que j'aime de ça, quand tu me parles de ce type d'embarcation-là, c'est qu'on va parler de style de vie. On va parler vraiment de la vie de plaisance. C'est plus que de la balade, ça dépasse ça. Puis je pense que c'est ça que les familles recherchent aujourd'hui. On en voit beaucoup avec des véhicules motorisés où on couche à bord, où on mange. C'est le véhicule motorisé sur l'eau. Marcel, tu le résumes très bien. On part avec cette embarcation-là, puis quand on parle de toutes les commodités, puis en plus, il est très, très, très convivial. Il n'existe pas, Marcel, depuis 2012 pour rien. Tu sais, ouais. Les compagnies évoluent toujours. Il répond à un besoin, lui. Mais Régal ont eu énormément d'années d'avance avec cette embarcation au niveau de sa stabilité, des motorisations. Mais du côté, quand je parle de convivial, la plupart de ces catégories de bateaux-là, on a de la misère à se rendre en chambre à coucher. Il faut rentrer en rampant. Il y a quelqu'un qui a un petit peu de difficulté au niveau de sa mobilité ou qui a envie d'être claustrophobe un petit peu.
Bien, il y a énormément d'espace, on va le voir tantôt. C'est une embarcation qui est très conviviale. Alors, tu m'en as assez dit, on va charger nos ceintures, puis on va voir ça. Super, Marcel. Jimmy, cette embarcation-là, si on parle de motorisation... Cette embarcation-là est équipée d'un moteur Volvo de 350 HP, un V8 closing system, donc il est dans son Prestone. On peut aller dans les eaux salées, descendre en Floride. C'est inboard, ça. Là. C'est inboard, puis c'est une motorisation. On peut avoir le 300, le 350 et le 380 HP dans le Volvo, dans cette embarcation, et les moteurs Mercury aussi inboard. C'est des moteurs qui sont assez silencieux aussi. Hein? C'est silencieux, c'est doux. Puis pourquoi on met le Volvo chez Adrenaline? La fiabilité, la légèreté, tout est en aluminium. Okay. Puis en plus, closing system, tu peux aller dans l'eau salée sans être obligé de rincer ton moteur. Effectivement. Dis-moi, je regarde le poste de pilotage. D'abord, ça semble être assis très confortable. Là. Mais l'ergonomie de ce poste-là, on peut voir que même la barre du bateau se baisse. Ah oui. Siège électrique, le volant est ajustable. On a un beau thruster pour se permettre de se stationner adéquatement dans une marina qui l'hélice d'étrave. Ouais. On a un spotlight mobile à l'avant, électrique. Donc, on arrive dans un endroit qui est, quand on disait tantôt, on s'en va dans le fond d'un lac, s'installer pour la nuit. On a toutes les commodités au niveau du GPS, les informations, le profondimètre. Une radio marine qui nous permet de communiquer dans les marinas lors d'urgence. C'est très important, là, surtout qu'on parle de naviguer sur des plans comme des voies maritimes ou de la circulation commerciale comme on a ici sur le fleuve Saint-Laurent. Surtout ici à Québec, effectivement. On a des trim tabs, donc qui nous permet quand on a un peu de poids du côté droit ou qu'on a un vent compensé, qui sont des trims qui permettent de compenser le niveau du bateau, exactement. Et si on parle de navigation, est-ce que on peut un GPS inclus ou si on doit en rajouter un? Régal vient avec le GPS. Il arrive avec le GPS automatique. Oui. Puis on a même des versions maintenant qu'on peut avoir les deux écrans. Plus numérisé que des cadrans plus statiques, comme on le voit présentement dans notre Régal 28 Express. Dans la cabine ici, on assoit combien de personnes? On est capable d'être 8 à l'aise. 8 facile. On est capable de coucher 4 à l'intérieur, 2 à l'avant, où est-ce qu'on a l'espace cuisine ou sofa au salon, qui se transforme en grand lit, puis l'espace des maîtres juste en dessous, à laquelle j'expliquais qu'il y a énormément d'espace. Dans la catégorie des cruiseurs 28 pieds, en fait d'espace puis de sentiment de grandeur, Régal est pas battable. L'accès est facile. L'accès est facile, puis on se sent pas étouffé dans le lit. Ouais, c'est quand même très important parce qu'il y a des gens, là, se coucher puis sentir le mur à 6 pouces, on veut pas tout vivre dans des sous-marins. Là. Effectivement. Et lui, à ce moment-là, il donne de l'espace pour ça. Oui, puis c'est pour ça qu'il est si populaire, Marcel. Aujourd'hui, en 2022, elle a 10 ans l'embarcation. Oui, il y a eu des améliorations, mais la coque puis la configuration est éprouvée, est appréciée. Qu'on parle du système de son, des frigidaires, des collards, juste un détail. Avec le toit campeur, on tombe comme dans une deuxième étage, une deuxième aire de vie. Ça veut dire que tout se ferme en avant comme en arrière? Oui, jusqu'à l'arrière. Tu vas à ton barbecue à l'arrière, tu as ton lavabo juste à côté. Tu as ton système de son que tu peux rajuster à l'arrière comme à l'avant. Un couloir, un frigidaire, un congélateur, ton petit four, la salle de bain avec la douche. On est équipé pour partir des semaines avec le bateau. Même naviguer dans des endroits relativement froids ou chauds. On ne parlait pas de climatiseur dans ce bateau-là. Oui, on a l'air climatisé, on a le chauffage. Il y a des options de génératrice aussi qu'on peut avoir dans un 28 Express. Okay. Dis-moi, c'est une compagnie qui est québécoise, américaine ou... Régal, ça vient d'Orlando, c'est américain. OK. C'est une compagnie, ça fait 52 ans qu'ils sont à la production d'embarcations. Puis lorsqu'on débute dans le cruiseur, on a le 26 Express puis le 28 Express. Après ça, on tombe dans le 33 Express puis des 38 hors-bord, 42, 53. Ah, ouais, oui. Donc, lorsqu'on veut débuter puis partir avec la petite famille, bien capable de dormir sur le bateau avec toutes les commodités, on a le 26 puis le 28 Express dans lesquels on est assis aujourd'hui. Donc, c'est un bateau qui permet à des gens de vivre la navigation confortablement, mais en même temps, la croisière aussi, avec tout ce qu'il faut pour le faire de façon sécuritaire. L'ensemble des commodités sont là, autant plaisance, puis plaisir de conduire aussi. La facilité de conduite, puis les technologies de Régal font en sorte que c'est une embarcation qui est
apprécié au fil des ans. Jimmy, je remarque ici qu'il y a des pentures. Ça veut-tu dire que c'est amovible, ça? Oui, c'est le Régal, leur signature, la fameuse tour électrique, qui est très appréciée de l'ensemble de notre clientèle. Ça nous permet de passer en dessous des ponts, de stationner dans des endroits plus restreints. Puis, il arrive un orage à la dernière minute. Tu peux te permettre de la baisser pour protéger tes gens à l'intérieur. Oui, il y a la cabine, mais il y a plein d'avantages autour de la tour électrique. Ça veut dire qu'on peut même mettre un radar, puis quand arrive le temps des ponts, de toute façon, ça se baisse. Exact. Merci beaucoup, Jimmy, de nous avoir appris autant de choses que ça. Je pense que les gens, j'espère que vous en avez appris autant que moi là-dedans, mais vraiment, je suis épaté de voir toutes les facilités qui sont sur une embarcation de ce type-là. Merci, Jimmy. Merci, Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport, pour un été en toute liberté. Une autre de terminée. Ça passe vite, c'est incroyable. Je vois pas le temps passer. Il y aurait tellement à dire sur la navigation au Québec, mais un beau privilège qu'on a. On remercie tous nos gens qui nous encouragent et qui nous permettent de parler davantage des plaisirs nautiques. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Pro Performance et par Adrénaline Sport.